Ah, c'est assez lourd. Pensez là. Numéro 5, il dit. J'ai dû faire de tout. Les commissaires. C'est du premier. Là. Enfin. Des bons gars là. Hein. J'ai écrit. Hein. Vous pliez la dernière question. Voilà. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, je vous emmène avec moi au Trophée Andros. On est à Lens-en-Vercors pour la quatrième étape. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'est le Trophée Andros, mais rapidement et dans les grandes lignes. Parce que c'est les pilotes, les mécaniciens, les équipes qui vont vous expliquer. C'est la 33e édition. Il y a déjà eu 3 étapes à Val Thorens, en Andorre et à Isola 2000. Pour ce qui est des voitures, c'est que de l'électrique. Il y a plusieurs catégories, Elite Pro, Elite et pour les invités. Pour la MV Cup, donc en moto, c'est encore du thermique. Pour ce qui est des leaders, en ce début de week-end, en Elite Pro, c'est Aurélien Panis. En Elite, c'est Jimmy Clairet. Et en AMV Cup, Vivian Gonnet. Maintenant que je vous ai expliqué dans les grandes lignes ce qu'est le trophée Andros, on n'a plus qu'à y aller et c'est parti. Regardez un peu comment il fait beau. Ça va être sympa. Gérald de Fontanelle, on est beaucoup de travail, on le sait, qui a été fait sur ce Du coup, on est avec Aurélien Panis, donc la voiture numéro 38, voilà, 38 Panisia. Et il va nous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur la voiture du trophée Andros. Belle voiture de couleur d'Isère, numéro 38. Donc il faut savoir, la première chose, c'est que c'est une voiture 100% électrique. C'est la troisième saison que maintenant, au trophée Andros, on a des voitures 100% électriques. 4 roues motrices, 4 roues directrices également. C'est-à-dire qu'on a les roues arrière qui tournent pour nous permettre de déraper dans les virages parce qu'on n'a pas de frein à main dans cette voiture. La batterie qui est juste à côté de nous là-bas, qui pèse presque 300 kg. À côté, là, tout en noir. C'est un quart du poids de la voiture, plus ou moins. C'est quand même un copilote assez lourd. Ouais. Parce que la voiture, elle fait combien de kilos? Une tonne 100. Une tonne 100. Ouais, ça développe plus ou moins 300 chevaux en équivalence d'une voiture thermique. Donc c'est quand même super efficace. Il faut savoir que aujourd'hui, les voitures électriques, elles vont plus vite que les voitures thermiques de l'époque du Trophée Andros. Par exemple, si on ouvre le capot, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Si, il y a toutes les parties roulantes, les trains roulants, comme on peut voir là, les amortisseurs, etc. Derrière, on a quand même les moteurs électriques derrière, des radiateurs pour refroidir tout le système. La fois qu'on fait dans les trois premiers d'une course, la course suivante, on a un handicap lest dans la voiture avec nous. Donc si on gagne, on prend 60 kg pour la course suivante. 40 kg le deuxième et 20 kg le troisième. C'est pour que tous les résultats soient un peu remélangés à chaque fois. Okay. J'ai demandé à ceux qui me suivent de poser des questions. Ouais. Et il y en a un qui a demandé comment on se préparait physiquement pour des courses comme ça. Alors, je sais que tu es déjà pilote de base. Donc, ouais, c'est vrai. Il y a déjà ça. C'est un entraînement physique, je veux dire, standard. C'est vrai que le trophée Andros, c'est pas ce qui est le plus physique. Pour être honnête, dans notre catégorie de sport auto, c'est très important d'être prêt. Donc c'est beaucoup de cardio pour la concentration, etc. Et après, on va dire de la musculation, surtout au bas du cou. C'est très demandant avec les pieds qu'on prend dans les voitures. Les bras, le corps, être gainé, c'est plutôt de la préparation standard. Voilà. Malheureusement, on ne roule pas beaucoup hors des courses, donc il faut qu'on soit prêt physiquement quand on roule. Comme je vous ai dit, sur le trophée Andros, j'allais vous montrer tout. Et on va aussi suivre l'équipe Canal+, qui elle fait les plateaux et qui elle couvre tous les dimanches soirs. Vous pouvez voir en replay le dimanche soir. Donc on est avec Gamel, Mouzi et Erwan Pélissé. On va chez qui déjà pour le plateau? Normalement, il y en a 5, mais aujourd'hui, il y en aura que 4. Je sais pas, il s'appelle Pussier. Oui, voilà. Là, c'est écrit, hein. Ça tourne pas. C'est mauvais, c'est dur. C'est caca, c'est caca. Si vous saviez, je suis tout le temps comme ça quand je fais des vidéos. Je commence tout le temps. Objectif donc, garder la plaque jaune pour Jimmy Clairet. On va justement voir ce qui s'est passé ce week-end à Lens-en-Vercors dans cette catégorie élite. Est-ce qu'il y a une rivalité entre les deux pilotes Canal+? On ira leur demander. 47-0 dans le championnat de la piste, 47-7. Au Kiska, il dit. Ça qui passait. Un dernier tour en 45-6 pour Nathan Biel qui passe devant Clémentine pour 2 dixièmes. Et bien voilà, coup de chapeau parce que je ne sais pas si dans la radio. C'est une sur le pont d'Avignon. C'est ça. Oui, c'est celui-là. Ce que j'ai appris cette semaine, le pont d'Avignon s'appelait le pont Saint-Bélaise. Plus d'une demi-seconde. Sinon, il sera derrière le duo Biel et Clémentine. Avoir autant d'énergie à chaque course, parce que vous commandez quand même
Vient 6 heures de. Oui, oui, 5, bah, 6 heures dessus. C'est un peu à l'image du trophée, quoi, on va dire. Donc c'est intense, parce que le trophée, c'est assez. Ah, bref, mais c'est intense. Donc il faut aussi que quand on commente, on soit dans le, bah, dans le même rythme et donner de l'entrain à ceux qui écoutent et ceux qui regardent. Quoi, voilà. Oui. Ouais. Mais là, le début, c'est calme, on va s'énerver tout à l'heure. Oui, je vous ai déjà entendu, c'est pour ça que je vous ai déjà entendu. C'est une passion pour nous aussi, hein, faut pas croire. C'est peut-être qu'on est un peu frustré de ne pas pouvoir piloter de temps en temps, et donc ouais. on en profite pour s'éclater. Quoi. On manque la dernière finale, la semaine prochaine, du circuit et les Ornières. Oui, ça aussi, ça doit être compliqué. Et premier chrono de Pierre-Louis Doubet, 47, 5 minutes 47, 46 ou 47 secondes, et tout ira bien. Voilà, c'est bien. Tout donner maintenant parce que le trophée se joue peut-être aujourd'hui. Absolument. Oui, Thierry. Excusez-moi de vous couper, Philippe. Pas de souci. Deuxième à 1 seconde 1. Avant ma course, que je regarde, moi, c'est les datas. Donc, je regarde les vidéos, les données qu'on peut récolter sur la voiture. Donc, ça peut être la cam arrière, quand est-ce que je la déclenche, le freinage, un peu tout. Donc, ça permet de vraiment pouvoir évoluer, si tu veux. Tout à l'heure, je suis allée faire un petit tour de piste, parce que la piste, elle évolue tout le temps. Regardez quand même les ornières, voir où il ne faut pas passer, parce que quand tu tombes dedans, ça peut vite perturber la voiture. Trop, trop cool, parce qu'on est vraiment juste à côté du circuit. Ouais. On voit une des épingles. C'est ça. Donc là, on se trouve actuellement sur la piste et en fait, on peut voir que justement les ornières, elles sont au milieu. Ornières, c'est quoi? En fait, les ornières, c'est ça si tu veux. Genre, c'est un espèce de trou, enfin de rail tout le long. Et en fait, quand la voiture, elle entre dedans, c'est impossible de pouvoir en ressortir. Ce qu'il faudrait, c'est soit l'éviter, parce qu'en fait, sinon la voiture, elle peut monter en crabe si tu montes, si tu rentres mal dedans. Voilà quoi. Okay. Ça va les gars? Merci, c'est gentil. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Salut. Ça va? Oh, bravo toi. Putain, ouais. C'est ça en fait notre trophée en dos, c'est que tout le monde se connaît et tout, ouais. c'est une bonne ambiance. Il y a une super bonne ambiance. Moi j'ai commencé ici à l'âge de 16 ans, j'en ai 23 et j'ai un peu grandi avec tout cela en fait. C'est un peu tout le temps les mêmes, tu vois. Ouais. Bah, tu vois là, on a Julien Fevreau qui présente la Formule 1. Mon fameux rival, putain, c'est devant moi là. Pourtant, vous avez la meilleure pilote de lance en Vercors au monde. Miss Double Victory quoi. Elle est là, ça va? On verra demain, ouais, ça va et voilà, tout. C'est ça. Nickel. Nickel, nickel. Toi, t'as bien roulé, hein. Il y en a quelques-unes, des fois, qui partent pas, c'est parce qu'elles sont dans les ornières, en fait. Qui partent mal, ouais. Ouais. C'est pas le cas, parce qu'avec les clics, c'est compliqué de caler, mais... Ouais, c'est déjà arrivé que certains, ils oublient d'appuyer sur le bouton drive et du coup, la voiture ne démarre pas. Ça arrive. C'est fort, ça. Là, en élite, vous êtes que deux femmes. Ouais. Est-ce que des fois, du coup, tu ressens la différence, t'as moins de confiance? Pas du tout. Mais pas du tout. Ce qu'on pourrait croire, tu vois. Non, en vrai, pas du tout. En fait, j'ai toujours été un peu dans ce milieu-là depuis que je suis hyper jeune. Donc pour moi, il n'y a jamais eu une distinction entre hommes et femmes. En vrai, on est derrière un volant, tu vois. Ouais. Donc il y a vraiment zéro différence. Ouais. Mais quand tu rentres, entre guillemets, je m'entends hyper bien avec eux. Il n'y a pas une mauvaise rivalité. Moi, j'ai eu de la chance par rapport à ça. J'ai toujours eu des concurrents qui étaient des bons concurrents, en fait, au final. Ouais. Il y a un problème sur la voiture. Le problème ici, c'est que c'est la voiture de deux pilotes qui sont de Saint-Élion. Et celle d'Edgar Malouane qui se vient. Voilà, c'est ça. C'est la voiture d'Edgar Malouane qui est rentrée dans la voiture de Laurent Nael. Ouais, je me filme tout seul, bah là j'expliquais à tout le monde l'accident. Ouais, vas-y, une photo. Vous êtes commissaire, c'est ça? Ouais, bah ouais, vas-y. C'est pas trop compliqué. Non, mais c'est pas une photo là, c'est une vidéo. Ah bah ça fait la fête, tu fais coucou, c'est nous, on est commissaire. Il fait pas trop froid là, ça va en vrai? Ah, bon, c'est bon, neuf, ça va. Ouais. Une époque, il y avait moins 19 ou moins 20. Ça va, non? Ouais. Vous avez connu pire. Mais demain, il fait un peu plus froid. Tu rentres dans le local et tu veux boire le café, tu peux manger tout. Ok, bah merci. C'est gentil, les commissaires. Du coup, je vous disais que Dorian Boccolacci, c'est un peu compliqué pour sa voiture. On ne sait pas s'il va pouvoir la reprendre pour Aurélien Bonis. Non, c'est dans le faire. Sur la grille de la super finale et les pros, on va remonter la grille avec Canal+. Et revenu dans le match, c'est le plus que la vélo. C'est bon, on vient de gagner, voilà, et d'ailleurs.
c'est terminé. Il a tout l'avant, quoi, comme un Valto. Demain, gros, il faut réparer la voiture pour qu'elle soit prête. Il y a plus de temps pour le réglage ou quand même? Si, on va peaufinage. On avait prévu de faire un réglage. On avait prévu de faire du peaufinage, on va peaufiner un peu plus. Allez, très à l'aise, très chaud demain sur une piste, Franck, modifiée. Ouais, ça, c'est génial cette année, puisque à chaque jour, deux salles de ambiance. Voilà. Évidemment, au podium. Quelle impression sur cette finale. Le seul mot qu'on... C'était pas simple. Et Diego, il a le sourire, hein. Ça c'est bien, voilà, parfait. Des Alpes. Voilà, je vais demander à M. Susino et à Madame... Bonjour à tous, on est deuxième jour. Donc là, on va aller interviewer plusieurs personnes, dont la moto. On va aller faire un petit tour aussi peut-être avec eux après, en moto. Enfin, je vais pas me mettre sur la moto. Quand même pas, mais vous avez compris, on va faire un tour de piste à pied pour voir comment ça se passe. Donc on est avec Vivien Gonnet qui est actuellement premier au championnat. Donc là il va nous présenter sa moto et pour en savoir un petit peu plus. Du coup c'est des motos de cross, on modifie très légèrement mais c'est essentiellement des motos de cross pour enduro. Les grosses modifications c'est qu'il faut qu'on mette des phares. Un coupe-circuit un peu comme les jet skis. Quand on tombe de la moto, ça va éteindre la moto. C'est les 450, on n'a pas le droit d'avoir plus. C'est des pneus qu'on paye mais qui sont fournis par l'organisation pour qu'on ait tous les mêmes parce qu'il y a beaucoup de différence entre chaque pneu. On a le droit à 4 arrière et un seul avant pour toute la saison. À la fin de la saison, ça devient compliqué donc. Alors ça dépend, en fait, s'il y a de la glace, ils vieillissent pas. Par contre, s'il y a du goudron, en une manche sur du goudron, et les pneus sont morts. Donc effectivement, l'avant, c'est un peu compliqué des fois en fin de saison. Pour l'instant, cette année, on touche du bois, on a eu pas mal de glace. On est souvent en altitude, donc on a besoin qu'elle marche un petit peu plus que l'origine, on va dire. Pour expliquer un peu, l'altitude, ça va changer quoi sur le comportement de la moto? Ben, en fait, tout simplement, il y a moins d'oxygène, donc elle perd en puissance en altitude. Au niveau du pilotage, ça se rapproche vachement du supermotard, en fait. Il y a de la glisse un peu comme en supermotard. Ça arrive que la glisse elle soit violente. Je pense qu'on attaque moins quand même qu'en supermotard, où il y a plus d'accroche sur les pneus. On est avec Franck Brancy, numéro 5, et qui est de la même équipe que Vivien Gonnet, donc de Dafy Briançon. Et là, on va faire un petit tour de piste avec. Vu qu'il y a personne qui est passé, elle est encore bien vive, tu vois. Mais nous, on la préférait tout le temps comme ça parce que tu vois bien où tu mets tes roues. Parce que le truc, ouais, c'est que quand elle est toute pilée, et ben, ça te fait de la neige et tu vois pas les ornières, tu vois pas ce qu'il y a en dessous, tu vois. C'est très traître pour vous. Ben oui, en fait, tout est blanc. Alors, quand tu mets la roue dedans, tu peux avoir du mal à t'en dégager. Les ornières, elles sont faites par les bagnoles, donc du coup, tu prends la trajectoire de la bagnole. C'est la ligne droite. On arrive en fond de 4, voire la 5. On a un peu plus de 100. Et ça fait une bosse, en fait on freine juste avant la bosse. La moto elle a tendance un petit peu à se délester en haut. On va viser l'intérieur, on va pas faire comme les voitures. Il faut qu'on perde le moins de temps possible et qu'on fasse le moins glisser la moto possible pour avoir le plus de motricité et pouvoir repartir plus tôt. Pour le spectacle, c'est cool la glisse, mais en fin de course, comme en vitesse, il faut qu'on fasse un temps et du coup on va chercher et l'adhérence et le freinage au plus tard. Quoi. Pour la deuxième journée, je vous avais dit qu'on allait savoir un peu comment ça va se passer au niveau de la voiture. Donc on est avec Dorian Boccolacci. C'est vrai que le style de pilotage c'est complètement différent sur le goudron et sur des pistes glacées comme ça. Il y a zéro similitude. Il y a des similitudes forcément parce qu'on a un volant, on a un accélérateur, un frein. C'est vrai qu'il faut contrôler une glisse que normalement sur les courses en circuit on ne veut pas trop de glisse. Là forcément il faut avoir de la glisse mais pas trop non plus, il faut arriver à doser. Ce qui va être important c'est de placer l'auto le plus rapidement possible, donc avant le virage, position de la sortie du virage qui arrive pour gagner du temps et pas devoir freiner et tourner la voiture parce que toutes ces phases là prennent beaucoup de temps forcément puisqu'il y a très peu d'adhérence. Donc si on arrive à faire en même temps que le freinage la rotation pour avoir la bonne sortie, on gagne du temps et on peut accélérer beaucoup plus tôt et faire de très peu de chemin, c'est-à-dire être très précis et raser les murs de neige à l'intérieur. Tu as du mal au début de t'adapter par rapport à ce que tu fais? Tout le monde doit se réadapter un petit peu. Après il y a des pilotes comme Dubourg qui lui fait du rallycross, donc ça se rapproche quand même plus de la discipline du trophée Andros que de la Porsche Cup. Il y a quand même une certaine réadaptation à faire et c'est pour tout le monde pareil, quoi. On est aussi en compagnie de Julien Féoro, donc je pense que vous le connaissez tous. Et la première question que je me posais, hier je vous ai vu avec Margot un peu en train de pitié. Est-ce qu'il y a une petite rivalité du coup entre vos collègues Canal Plus? Oh bah il y a une rivalité toujours quand on fait de la compétition automobile. Mais en plus avec Margot on est tellement potes, on est tellement proches qu'on est super heureux déjà de se retrouver ici à Landros parce qu'on adore ça. Si rivalité il y a, elle est de façon très amicale, bienveillante et voilà, on s'entend trop bien. C'est pas facile de la battre. Oui, j'ai vu. Là donc il y a une troisième voiture des Racing, c'est la première année. Ouais. C'est un peu un challenge aussi pour... Bien sûr, pour l'équipe, ouais. On en a parlé l'hiver dernier.
Et c'est vrai que le but, c'était surtout de préserver les deux voitures qui ont l'habitude d'être les deux centres d'attention de l'écurie. Si on montait un projet ensemble, il fallait pas que la troisième voiture vienne perturber de quelque manière que ce soit ce qui se passe de l'autre côté de la structure. Donc on a réussi à créer un petit team satellite au sein du DRA Team, avec une petite équipe dédiée à cette troisième voiture. Franchement, ça marche très bien parce que les infos circulent entre les trois voitures. On a des bons résultats, donc je pense qu'on a réussi à bien s'intégrer. Ça, c'était notre première mission. L'objectif, là, sur ce game, par exemple, c'est quoi ? Moi, c'est d'apprendre le circuit parce que c'est la première fois que je viens à Lens-en-Vercors en tant que pilote. C'est ma première saison, on va dire, quasi complète puisque je ne pouvais pas être là à la première conservatoire. Moi, j'en suis à mes débuts sur le trophée Andros avec ces grosses voitures, quoi. J'apprends à me contrôler moi parce qu'on a souvent tendance à en faire un peu trop. Et sur la glace, ça ne paye pas, ou rarement, à prendre les subtilités de ces voitures-là, qui sont des prototypes spécialement dédiés à la glace. Donc c'est de l'apprentissage permanent. Et puis, les résultats sont plutôt corrects. J'ai fait plusieurs podiums. J'aimerais bien sûr, réussir à gagner un jour. Mais pour ça, il faut travailler encore plus. Le plaisir, il vient quand le travail a été bien fait. Ce serait malhonnête de dire que je m'amuse tout le week-end si je fais des bêtises en piste, si j'exploite pas la voiture qu'on me donne. J'arrive pas à fonctionner comme ça. Donc je peux être très frustré, très énervé si moi j'ai pas fait le travail qu'on attendait de moi. J'avais une dernière question qui m'est venue en tête, mais j'ai Elle a oublié la dernière question. Il y aura pas de dernière question, tant pis. Non, c'est pas grave. Mais c'est bien déjà. C'est ça. Tu repasses quand tu veux pour la dernière question. Oui, bah je repasse. Oui, bah, je pense que je vais revenir après. Elle va manger plus de poisson et ça va aller mieux. Voilà, c'est ça. Je pense que vous avez compris où on était. On est là où il y a toutes les Androstars. On va essayer de prendre leurs impressions. Qu'est-ce que tu prends à chaque fois Beaucoup d'adrénaline. Et j'avoue que j'ai beau faire pas mal de trucs et j'ai jamais cette adrénaline. Il n'y a que l'auto qui m'apporte ce sentiment. Donc j'adore. C'est un peu plus compliqué, mais justement, c'est un nouveau défi. Et puis j'essaie de m'adapter. Et de faire en tout cas un temps pas trop dégueu. Ouais. ça allait là pour les Ouais, ça allait en fait. C'est dommage parce que dernière épingle, mur de glace, et après ça a pris le temps que je reparte. Mais sinon, ça c'était pas dégueu parce qu'il y a quand même des bons gars là. Hein. Donc on est avec Diego et Alexandre qui viennent de terminer les qualifications. Et du coup, comment ça s'est passé pour vous? Moi, j'ai un peu galéré. C'était complètement différent d'hier, donc j'ai eu du mal à trouver mes repères. La glace évoluant tout le temps, on espère que par ma suite ça va aller mieux. Donc voilà. Moi, j'avais une grosse pression. Comme je disais tout à l'heure, on a un gros pilote. J'ai fait des belles perfs hier. Donc je suis arrivé pas très serein, mais j'ai essayé d'être constant, régulier. Comme tout le monde, on s'est un peu fait surprendre par la glace, effectivement, qui évolue. Et il y a deux endroits assez stratégiques sur ce tracé. On a tous fait des petites frayeurs. On s'éclate. En plus, on fait des rencontres. L'Andros permet de belles rencontres. Et c'est vrai qu'on vient. On se connaît pas, quand on part, on est potes, ça c'est quelque chose de super et on se tire d'abord sur le circuit, c'est top. Vous avez des petits conseils quand même entre vous ou pas du tout? On échange surtout parce que les conseils, je pense pas qu'on soit capable, on découvre tous les deux, oui, mais on échange, comment tu fais, là c'est ce que je lui dis, comment t'as fait là, il me dit moi je l'ai jeté comme ça et tout, donc c'est vrai que c'est vraiment bon enfant, on échange et on essaye de progresser en fait, on est là pour progresser, on a entre guillemets rien à gagner à la fin. Donc. Oui, c'est vrai. Là, il faut que je vous explique ce qui vient de se passer. Yann Herlaché, donc en plus avec qui on fait le tour tout à l'heure, donc on lui posera des questions. Mais en gros, là, il a un problème sur sa voiture qu'ils n'arrivent pas à régler. Donc il a dû prendre la voiture de Pernod, sachant qu'il n'est pas parti pour la première manche. Et là, je vais y aller quand même. Oui, on est en train de lancer les points. Hein. Oubliés par les pilotes voilà. Ah, sans couleur, ouais. Donc on est de retour avec les Ventinest pour dire que, pour commenter ce qu'il vient de faire Yann Herlaché. Enfin, il a sorti vraiment un tour et surtout pas avec sa voiture quoi. Ouais. À la fin du championnat comme tu disais. C'est un truc de fou, ouais. Le règlement dit qu'on n'a pas le droit de rouler sur une autre voiture, mais sportivement ils ont convoqué tous les team managers. Ceux qui jouent le championnat, ils ont dit oui en fait. Ouais. Et là il fait premier du coup de la Q2. Ouais. Un tour incroyable. Incroyable. Zéro erreur. En plus, il était à 5 dixièmes de la pole les deux premiers tours. Du coup, c'est dit le troisième tour, c'est fini. Tu vois. Oui, sauf là, que il a un troisième tour. Mais parce qu'il a fait que trois tours au final sur le cumul des trois tours.
relativement troisième. Hein, c'est 6 points maximum, mais c'est 6 points hyper important quand le titre se joue. Il y a 5 pilotes qui peuvent le jouer, donc c'est hyper important. Donc, et ça redétermine aussi la place sur la grille de départ. Donc la Super Pole, ça se déroule sur un tour. Réalisé tout à l'heure par Yann Herlacher. On va mieux s'y affiliter. Et c'est parti tout de suite. Oh putain! Oh là, attention! Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, on avait Yann Herlacher, donc double champion du monde WTCR, mais surtout auteur d'attente tout à l'heure, enfin, c'était fou. C'était la folie, parce que déjà, c'est assez rare que, normalement, on a une voiture pour le week-end. Là, j'ai dû changer de voiture parce qu'on était en panne. Toutes les équipes m'ont autorisé. Et c'est une voiture que j'ai jamais roulé dedans. C'est des pilotes qui ont un gabarit qui est pas le mien, donc j'étais un petit peu assis, les genoux dans le volant et tout. Et donc c'était un petit peu chaud. La voiture, je la connaissais pas, c'est pas les mêmes réglages. En vrai, c'était peut-être le truc fou que j'ai dû faire de toute ma carrière. Pour être honnête, donc ouais franchement quand tu sautes d'une voiture à l'autre comme ça pour une finale où il faut que tu fasses 3 tours d'affilée super bon et que tu joues le championnat, ouais c'est chaud quand même. Là tu sais avec quelle voiture tu pars ou pas? Non pas vraiment, non pas encore. Le problème c'est qu'avec mon équipier on est tous les deux dans la même finale. Bah oui, c'est donc il y a un moment on va pas pouvoir rouler être deux sur la même voiture, donc je vais devoir rouler avec ma voiture qui est normalement réparée mais on n'a pas pu vérifier. Donc c'est possible qu'on retombe en panne ou quoi, donc c'est un peu stressant. Je pense à venir de quoi? C'est un des moteurs qui a été mis en panne sans faire exprès par l'ingénieur. C'était pas du coup de notre faute en fait. Donc impossible il a fallu, impossible. Sans le changer, impossible. Et le changer, ça prend plus d'une heure. Donc ouais. Normalement, là, l'heure, elle est passée. Donc là, c'est fait. Ils ont fini, ils ont tout fini, mais on n'est pas à l'abri que le problème revienne si ça venait pas de là. Une supposition. Là. C'est une supposition. Je te souhaite quand même d'avoir ta voiture et que tout se passe correctement. Bah écoute, on va suivre ça de près. Je vais essayer. Merci beaucoup. Super finale élite. Jimmy Clairet face à son rival Eddy Bézé qui s'est un petit peu raté au départ. Ouais, il a voulu bouger, attention. Et attention derrière. Ah, Margot Laffitte qui perd beaucoup de terrain. Trousse Pipa, oh ça a tapé pour Margot. Ça a tapé pour Margot Laffitte. Meilleur chef de file du DA Racing, en tout cas du côté d'Isola, c'était clairement Julien Febro. Exactement. Et attention, derrière ça revient pour Clémentine Lost là sur deuxième. Super finale et cette victoire de journée devant son grand rival dans la course au titre, Eddy Bézé. J'ai passé beaucoup de temps ici à filmer plusieurs parties de ce vlog. Il y a les commissaires et on n'en parle pas beaucoup. Et ici à Landros, c'est le défoulement, la récompense de toute la saison puisque nous venons de Belgique. Ouais. Et nous faisons à peu près 26 week-ends par an. Vous restez là quand même pendant des heures, vous ne trouvez pas ça. Enfin, vous trouvez pas trop le temps long des fois? Il y a la passion. C'est la passion qui guide. Ouais. Et là, vous n'avez pas froid. Franchement, déjà, moi, je suis frigorifié. Vous êtes là, vous ne bougez pas. Vous n'avez pas froid. Ah bah oui. Ce vlog reportage, je vous recommande vraiment d'aller à la dernière étape du trophée Andros à Super Bess parce que les titres se jouent là-bas. Pour l'élite pro, Jean-Baptiste Dubourg, Aurélien Panis et Yann Herlacher sont encore prétendants au titre. Pour ce qui est de l'élite, Jimmy Clairet a pas mal d'avance, mais il y a encore quand même Eddy Bézé qui n'est pas loin et Nathan Biel. Et pour ce qui est de la MV Cup, Vivien Gonnet, que vous avez pu voir dans la vidéo, tient toujours le suspense avec son coéquipier Julien Colomban. Donc vous pourrez voir ça là-bas et j'y serai aussi. Donc si vous avez des questions aux pilotes, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, comme ça je le ferai de votre part. Je voulais également vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez par message, ça me motive et ça me donne plein d'idées pour la suite. Je vous invite bien sûr à liker et repartager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à mes autres réseaux sociaux. Et j'ai pensé à ma fin, mais j'ai toujours pas de fin.